Comment rechercher les meilleurs fournisseurs de maillots de bain sur AliExpress? Donc, les maillots de bain, en fait, c'est un produit très saisonnier. Lorsque tu te rends sur Google Trends, comme ici, donc là, j'ai tapé maillot de bain dans tous les pays et le résultat pour les 12 derniers mois, on voit que, voilà, les gens commencent à rechercher les maillots de bain à partir de avril-mai et on voit que ça monte pendant toute la durée des grandes vacances. Et à partir de fin août, eh bien forcément, ça redescend. Si je veux te montrer justement pendant les 5 dernières années les évolutions de la recherche pour les maillots de bain, tu vois que c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a vraiment des pics et les pics, c'est vraiment pour les grandes vacances. Moi, ce que je te recommande, c'est de dès maintenant commencer à chercher tes fournisseurs de maillots de bain. Tu fais un petit stock des maillots de bain que tu trouves super sympa. Tu entames la réflexion sur ta stratégie de pré-lancement et de lancement de ta marque, de ta boutique éphémère, et tu fais quelques publicités pour cibler les personnes adéquates. Donc lorsque je déroule un peu la page, je vois que les personnes qui recherchent le plus le mot-clé justement maillot de bain, c'est en France et au niveau des Antilles. Au niveau des Antilles, pendant les grandes vacances, il y a énormément d'événements sur la plage, etc. Donc c'est vrai que les maillots de bain sont très 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 demandés. Cependant, si tu souhaites faire du dropshipping sur AliExpress ou DomTom, faut savoir que la livraison est extrêmement longue. Donc, soit tu recherches des fournisseurs qui peuvent fournir une livraison assez rapide, ou soit justement tu fais ton petit stock à côté de toi, ok, ton petit stock, et tu sais que vers avril-mai, tu commences à faire le pré-lancement de ta boutique et cibler les personnes de France et des Antilles. Sur AliExpress, je vous ai déjà donné un petit peu des techniques pour rechercher les meilleurs fournisseurs. Donc, tu vas bien évidemment taper maillot de bain femme. Ensuite, on va aller cocher cette case. Donc, ainsi, on va demander à AliExpress de vraiment nous mettre en avant les fournisseurs qui ont le plus d'étoiles. Tu vas te baser pour savoir quels sont les bons fournisseurs du nombre d'articles qui a été vendu, comme ici 386, 201. Ici, on a 648 vendus. Tu vas également te baser sur le nombre d'abonnés qu'il y a sur la boutique, c'est-à-dire que combien de personnes suivent la boutique, la notation, etc. Donc, je rappelle ici, l'idée est de commencer à rechercher des fournisseurs de maillots de bain pour que tu puisses créer ta boutique éphémère de maillots de bain et de cibler les personnes vivant en France et au DomTom. Le procédé, c'est que déjà, j'ouvre plusieurs onglets. Donc, je sélectionne les fournisseurs qui me paraissent bien et ensuite, j'ouvre les onglets. Là, je vais m'arrêter à là. J'ai ouvert pas mal d'onglets. Là, on voit qu'on a un petit maillot de bain sympathique, 11,29€. 44 avis, 386 commandes. Je déroule un petit peu plus bas et ça va me permettre de voir à ce niveau quelques éléments clés. Donc voilà, ce fournisseur, il a 286 abonnés, c'est pas beaucoup. 93% de clients sont satisfaits. Bon, je peux trouver mieux, donc je vais ailleurs. Ici, donc là, je descends directement vers ceux qui m'intéressent. Donc voilà, là, on a une boutique sérieuse à 174 000 abonnés, ok, donc ça veut dire qu'il y a 174 000 personnes qui sont abonnées à ce fournisseur et qui suivent la boutique de ce fournisseur là. Alors, il a également 98% de clients qui sont satisfaits, ayant noté 4 étoiles ou plus. Franchement, ça a l'air d'être une boutique super sympa. On peut aller visiter la boutique du fournisseur et voir ce qu'il propose de plus. Donc, hop, tu fais visiter la boutique et on y va. Donc là, on tombe sur des choses déjà plutôt sympathiques. Il y a quelque chose également que tu peux faire, c'est de vraiment suivre les tendances. Donc, par exemple, tu vas taper sur Google, tendance maillot de bain 2023, etc. Donc, ça va te donner une idée sur, par exemple, quel type de couleur est tendance pour cette année. Quel type de couleur, quel type de forme de maillot de bain. Est-ce que ce sont les maillots de bain une pièce, deux pièces, etc. Ok, fais cette petite recherche-là. Et ensuite, lorsque tu vas faire tes commandes de maillot de bain, tu vas plus essayer de commander des maillots de bain qui sont en rapport avec la tendance actuelle de 2023. Donc là, déjà, on a une boutique qui a l'air très 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 sympa. Là, ça reste assez gentil. Donc là, c'est une boutique que je peux inscrire dans mon tableau. Lorsque tu fais tes recherches, tu as ton tableau avec tes colonnes, fournisseurs, prix, etc., etc., tes observations. Ensuite, on a ça, c'est vraiment sympa. Ici, on a un
fournisseur avec 2000 abonnés qui est 97% des clients sont satisfaits quand même. On va visiter la boutique. On a des maillots vraiment très hot qui font vraiment maillot de grandes vacances quoi. On a celui-ci qui s'est vendu 589 fois. Donc ça te donne une indication de ce que tu peux commander. Ok, il est là depuis 7 ans. À ce niveau, il est ici depuis 7 ans. Il a ouvert sa boutique sur AliExpress en 2015. Donc, lui, je vais copier-coller et je vais l'instaurer dans ma base de données. Ok, donc là, je suis sur une boutique qui a 276 000 abonnés, 276 000 personnes qui suivent cette boutique. Top marque, 98% des personnes sont satisfaites. On perd pas de temps, on va directement dans visiter la boutique. Ok, très sympathique. Ok, donc ce fournisseur, je vais le mettre dans ma base de données. On va rechercher encore deux. Donc là, un autre fournisseur, un maillot, une pièce. Ici, on a 41 000 abonnés, 96% des clients qui sont satisfaits. On peut visiter la boutique. Ok, bon, il n'y a rien de fou. On dirait des maillots de la Redoute. Ok, là, un autre fournisseur, 7000 abonnés, 97% de personnes qui sont satisfaites. Hop, on va visiter la boutique. Ok, là, ce sont des maillots plus size, en fait. Donc, si tu es intéressé, on a ce fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Le maillot ou les kimonos? Les cover-up. Oh, sympa. Ok, donc on a 57 000 abonnés, 93% des personnes qui sont satisfaites. Visitez la boutique. Donc, les cover-up, ce sont des espèces de kimonos pour les maillots de bain. Donc, c'est quelque chose de très sympathique également. Là, on a vraiment quelque chose de hot. Ouh, là, on a vraiment quelque chose de très, très, très caliente, très grandes vacances. Voilà, quoi. On n'est pas timide. C'est super joli. Ça, c'est bien. On a des jolis cover-up. Vraiment très, 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 très jolis. Celui-là, il s'est vendu 858 fois. Celui-ci, 511 fois. Beau maillot, une pièce, orangé. Vous imaginez sur une peau bien bronzée, machin. Oh là là. Moi, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette boutique. On a ça également. Très, très, très sympa. Franchement, j'aime bien. J'aime bien cette boutique. On est déjà plus dans quelque chose d'été, soleil, ouvert depuis 6 ans. Ok, 93% des avis positifs. Et voilà. Enfin, il nous manque un. On a ça. Alors, donc cette boutique, elle a 100 000 cas d'abonnés, 96% des personnes sont satisfaites avec des bons avis, des bonnes étoiles. On va visiter la boutique. C'est sympa, ça change. Ok, là, ce sont des maillots très colorés. Ça, ce sont des maillots que tu mets quand tu fais des sorties bateau, des croisières, des trucs comme ça. Hein? Donc, j'ai juste un dernier que je vais regarder. Donc, c'est ce fournisseur. 40 000 cas, 95% de personnes satisfaites. Ok, ok, ok. Celui-ci s'est vendu 906 fois. Des maillots une pièce. Ils ont l'air bien, bien coupés, bien taillés. Des maillots plus size. Ok, ben je vais mettre celui-là aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est vraiment pour te montrer la façon dont tu dois réfléchir en fait lorsque tu recherches tes produits. Tu vas sur Google Trends, tu regardes un peu les tendances. Voilà, à partir de quand les personnes recherchent le mot-clé en question. Tu essaies de faire les choses assez tôt pour bien prévoir. Donc là, on a nos fournisseurs. Tu pourras peut-être tester un maillot par-ci, un maillot par-là. Commander à partir d'avril. Commencer à mettre en place les choses si tu veux vendre avec ton site internet ou si tu veux vendre par exemple par WhatsApp, sachant que ce sera une boutique éphémère puisque les maillots de bain c'est tendance vraiment qu'à un certain moment de l'année. Après, la demande commence à chuter comme tu as pu le voir. C'est quelque chose qui peut te permettre d'avoir un cash flow à un certain moment donné. Donc ne rate pas le coche. Là, on est en février, ça te laisse le temps d'étudier la chose. Un budget publicité, parce que là, il faudra vraiment être rapide sur le coup. On se dit à une prochaine vidéo, à bientôt, bye.